Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Europa Universalis 4. Donc on va, là, l'objectif, on va mettre nos templates comme il faut. Donc là, 10, 4, 6, on disait. Donc là, ce qu'on va faire, on a une armée qui est là, 10, 4, 6, elle a quoi? 10, 4, 4, hop, on va dire bascule en 10, 4, 6. Donc théoriquement, il va me recruter deux canons. Ouais, c'est bon. Il me recrute deux canons. Ensuite, on va dire l'entretien de les forts, on les démobilise. Hop, l'entretien de l'armée, on le met en médi. Comme si je perds autant. On repaye le prêt. Moins 4,11. Non, d'où on perd tout ça? Moins 6, taxation. Adviseur maintenance. Army maintenance. Oh putain. Ouais, d'accord. Ok, on va baisser un peu la maintenance d'armée. On va les mettre là, histoire d'être un tout petit peu bénéficiaire. On va courir. 10, 4, 6, on dit. Donc 10, 4, c'est bon. Ici, 11, 4, 1, on va dégager une unité d'infanterie. Non, on va garder que les. Que eux, voilà. Eux, on les renvoie à Moscou. Eux, on les envoie à Voshinskimaya. Hop, eux, on attend qu'ils aient fini. Ok, eux, on les renvoie, on va dire là-bas. Voilà. Ok, là, on va dégager les mercenaires parce qu'en fait, on n'a plus besoin de ça. Donc, les mercenaires, je sais plus. Je sais qu'il y a un endroit où on peut voir les mercenaires. Ouais. Ouais, on a une tétrachée de canons à faire. Donc là, on va se placer tranquillement. On est en train de missionnariser, donc ça va augmenter nos revenus. Voilà. Fais-moi apparaître le petit bouton de conversion. Voilà, on conversionne les sujets aussi. Religious Unity, voilà, plus 10, 4, 17, 20. 13, 60. Riga. On va convertir Riga. Les Nogai, les séparatistes Nogai. L'armée est arrivée à Moscou. Ok, ici on les rassemble. Ça va être. Voilà. 10, ouais. Ensuite, ici, 10. Ouais. Ici. Ouais, bah, on va leur remplacer leurs troupes. Et eux. Ouais, d'accord. Lui, il a un tout petit peu beaucoup de ressources. Donc, lui, déjà, on fusionne. Ça nous coûtera moins cher. Et ensuite, on va laisser l'infanterie en réserve. L'infanterie. Hein. On va les laisser en réserve, mes fantassins. Et on va utiliser, vous savez, l'espèce de. Les troupes à la con, là, que Sirica, il marque en masse. Et qui, c'est pas con, parce que ça fait des troupes gratuitement. C'est-à-dire que 26 régiments à 10, on va économiser 262 de revenus de thunes d'un coup, quoi. Les séparatistes Nogai. Ok, donc, séparatistes Nogai, c'est où? Kalyumov, Nizhny Mountain, Guriev. Ouais, c'est là-bas. Donc, on va les mettre là-bas. On va se mettre ici avec cette armée-là. Hop. On va attendre et quand on arrive, on va peut-être, on va remonter le, on va remonter la maintenance de l'armée parce qu'on a combien? On en a plus 4,90, donc on va remonter la maintenance. Hop, voilà, on remonte la maintenance de l'armée un petit peu. L'armée est arrivée à Vosenska. Ok, donc là, ici. Ben, on enlève la moitié de l'armée. On rajoute une unité. Ces unités-là, on les fout. On les fout. Bon, on va les foutre à Ryazan. Voilà. Est-ce qu'on a nos 10? Ouais, on a les 10. Non, même ce qu'on va faire, on va prendre toute l'armée. Et ici, on va prendre 10 unités. Ah! Ah! Hop, et ces 10-là, on les renvoie à Vosichniec. Ici, on n'a pas d'infanterie normale. Et là-haut, on n'en a pas de l'infanterie normale non plus. Ok, donc on est plutôt pas mal. Les missions. Coloniser. Non, coloniser la Sibérie de là-bas. Weather of Trouble. Ouais, on a le temps d'y arriver. Ok, donc bon.
On se prépare, on est là tranquillement. Je suis toujours en enregistrement, j'ai pas fait de fausse manip. Mais. Liberty Subject. Qui va qui repasse à 100%? Putain, il me casse les couilles. Après, je vais peut-être me faire un petit coup de 6 temps, tant qu'à faire. 6 temps. En force religion, pourquoi? Ah, parce qu'il y a trop de. Ouais, bon, c'est pas grave. Qui va? Non, je te paierai pas ta dette en même temps. Ok, donc là. On va regarder aussi mes finances. On est bon, à moins 0. Ok. Ah, on peut. Non, des corps qui sont pas faits encore. Aitwani. Notre armée est arrivée à Riazan. Ok. Ça, c'est les fantassins de Normaux. Ils sont arrivés à Riazan. Hop, non, c'est pas F que je vais faire CG. Ok. 10, 4, 2. Donc les missionnaires, ils missionnarisent. Ensuite, on va regarder vite fait un peu le commerce. Le commerce, voyons. Ici. Oh putain, ça pue, ça d'Astrakhan, faudrait qu'on rapatrie. Oh, j'en ai que 4% de Samarcande. Ouais, c'est un peu la dèche, je pense. Hein. 32%. Ouais, c'est vrai que là, pour l'instant, on n'est pas. On n'est pas au top top, quoi. Angara. C'est où Angara, c'est ça? Non, c'est ça. Bon, on s'en fout. On va mettre là. Ici, on va mettre une frontière. Non, et non. Bon. Pas grave, les missionnaires, ils finissent de missionnariser. Contre la Mongolie, sur qui on peut leur mettre sur le coin de la gueule. Alors on va regarder vite fait où c'en est du développement de la. Ah, c'est en train d'arriver, le colonialisme est arrivé. Et c'est en train de s'étendre tranquillement. Conversion successful, on a converti Riga à l'orthodoxie. Ok, bonne nouvelle. Ensuite, on va se pencher tant qu'à faire. Vu que Nogai il veut y péter, hein, ah ben on va les convertir un petit peu. Okay. Alors c'est où la province la plus riche? 3, 22. Ouais, ben ils vont popper ici. C'est même pas la peine de s'emmerder. Donc tant qu'à faire à ce qu'ils popent ici. Ah ben je suis toujours en train de les convertir. On va hop ici. 25, aïe. On a putain, plus 3. Ouais, non, c'est pas grave. Dans le cliquant, on se fera un petit prêt. Hein. On va repasser en entretien de l'armée au max. Moins 10. Oh! On va se taper ouais, un petit crédit, on va défoncer les rebelles. Ou quoi que je suis con. Si je faisais du harsh treatment, ça dit quoi à nos guys? 183, on va les laisser popper. Hein. Kuznetsk. Ouais, ok, bon ben là-bas on a fini de s'étendre. Les rebelles seraient bien que vous popiez parce que là je vais faire un prêt. Bon, bah, c'est pas grave, en même temps, vous allez me dire. Ok, donc les missionnaires, allez-y. On a pris un prêt. Ok, ils ont popé les rebelles. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une putain de bonne nouvelle. Ok, donc ça a popé. Maintenant, ils sont les Transoxianes à Samarcande, Mervikarche. Samarcande, Mervikarche. On peut pas. On a déjà fait. On a déjà fait. On a déjà fait. Si on augmente. Si eux, je voulais leur mettre des coups de matraque, combien ça me coûterait? 100. Putain. Donc là, ici, ce qu'on va faire. On va fusionner. Hein. On va sortir l'infanterie normale de la liste. Les 3, 4.
Et moins 5. Donc ça, on envoie là-bas. Et ça, on envoie ici avec 5 régiments d'infanterie. On en prend la moitié. Hop, on envoie ça. Hop, ok. Maintenant, maintenance de l'armée, on remet à 0. Ah, le but là, c'est on se prépare pour aller pour faire la guerre à la Lituanie. Lituanie alliée avec la Suède et la Pologne. Armée tarifaire réserve. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, CAFA. Ah, CAFA. CAFA. Allié avec... Non, on va éviter. Théodoro. Théodoro, t'as pas d'allié? Attends, Théodoro, je t'explique vite fait là. Diplomatie. Est-ce que tu me donnerais un accès militaire? Ouais, en plus. Oh putain. Bon, on va aller défoncer Théodoro. Donc l'armée, entretien de l'armée au taquet. Vixis qui est devenu self-sustain, ok. Est-ce que ça me coûte du fric les colons? Non. Bon ben... Ah celle-là quand elle va être finie ça va faire du bien. Ce qu'on va faire. Les 17 000 là, on va les dégager. On va arrêter de claquer du fric pour rien. On n'a pas besoin de tout ça. Kirkensk. C'est ça? Non, c'est ça Kirkensk. Non, c'est ça Kirkensk. Donc c'est bon. On va arrêter. Voilà, moins 8,71. C'est un peu plus honnête. Théodoro, diplomatie. Déclare war, on a des claims chez toi, on va te mettre sur la gueule. Gêne. Ah, j'ai pas de diplomate. Bon bah lui il fait rien. Hop, ask for military access. Hop, on va aller là-bas. Ah merde, Yeni, machin truc. Yeni, avec un K à la fin. Yeni, c'est que ça me plaît bien. Ah, j'ai fini la colonie là-bas. Ok, donc on attend que mon armée soit arrivée. Ok, l'armée et mon diplomate est arrivé. Est-ce que lui... Non? Bon, c'est bon signe ça. L'armée est arrivée à Kaffa. Ok, on les envoie. Hop, hop, hop. Ah bon, on va aller à Crimée. On va aller faire le siège de Crimée. Non, on va prendre du professionnalisme d'armée, de l'armée. On surveille ça. Ah, j'ai un de mes conseillers qui est mort. C'est une bonne nouvelle. Enfin, c'est une bonne nouvelle dans le sens. Dans le sens où ça me coûtait, je vais faire un peu d'économie. Là, on les rajoute, on les fusionne. On va les faire driller, hein, les mecs. Hein, honnêtement, ils ont rien d'autre à foutre, donc eux, pareil, ils vont driller. Non, on va pas filer Rurikovic, on va plutôt, voilà, à Barazov. Là, ils ont pas de chef. Non. Regardons les estates. Les estates, on en est où? Les boyards, est-ce qu'on... Ah, voilà. Donc, on va faire un petit coup de... Bon, on va faire, hop, un petit coup, un petit général. Qui va faire du drill. Et comme ça, ils sont contents, les boyards. On va leur demander du military support. Et on va leur faire un petit call for diète. Les burgers, on va leur... J'ai un petit Monopoly Charter. Elle l'a déjà utilisé. Demande recrute ministère.
on va augmenter leur influence, ouais. Et un diplomatique, on perd, ouais, c'est pas grave. Le clergé. Ah ouais, putain, on gagne de la Patriarch Authority. On va recruter un ministre du support administratif, voilà. Les Cossacks. En 80 000 en manpower, ouais, donc y a pas besoin. On va prendre de l'armée tradition, voilà. Oh là là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Combien on a en tradition militaire? 54-3. Là. Gêne, on va canceller le military access. Comme ça, il ne laissera pas passer Théodoro. Bon, on est plutôt pas mal. On perd moins 8, putain. Ah, une idée. Idée quoi? Défensive ou idée d'influence? Déjà les forts, je crois qu'ils sont activés là, donc on va les désactiver. Ok, donc on disait idée ou diplomate. Oh putain, idée diplomatique. Diplomatique, réputation de plus 2. Ouais, mais non, faut peut-être qu'on monte un peu nos. Ouais, mais non, diplomatique, relation de plus 1. Ouais, mais quoi qu'on est tranquille au niveau points. Non, on va monter un peu notre. Ouais, et les idées défensives. Ça, par contre, on les prend. Fort maintenance, forte défense. Ok, la Lituanie qui met des agents. Et on va aller. Je vous dis, prochaine étape, c'est. Hop, ça c'est bon. Ensuite, on va aller finir vite fait. Là. Conversion successful, Kaimkov. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc ça c'est orthodoxe. Là c'est. Putain. Grouillef. Ah d'accord, les trois provinces sont en train d'être converties. C'est pour ça qu'ils ont un peu. Ils sont un peu rebelles. Ils avaient un peu. La Russie m'a. Enfin l'Ottoman m'a mis en rival. Ah, Ottoman considère plus la Pologne comme un rival valide. Ah, fait chier ça. La Bohème est en train de défoncer Krasnokarsk. Ok, c'est où Krasnokarsk? Ouf, super. Alors toi, t'as fini. Orthodoxe, autonomie, tatatitatata. Ouais. Qu'on gâte vite fait le commerce. Ouais. Donc, on étudie. Ici, ça, c'est une armée type. 10, 4, 6. Bon, on prend. 10, 5. C'est du comment ça? C'est du normal. On le dismantle. 10, 4. 10, 4. Et lui, ici, c'est un quoi? Un 10, 4. Donc, on a 1000 cavaliers de trop. Bon, on va pas s'emmerder. Hein, les 5, là. Hop, hop, ça on prend, on dégage. Ah, pas de petit profit. Surtout, il n'y a plus de thunes. Ok, ça. Ah! Les taxes de guerre, voilà, j'oublie ce détail. Plus 7,26, voilà, là on est plutôt pas mal. Pourquoi il est en morale bas, lui? Ah, et parce qu'il drill, voilà. Alors, Krasnouskin, 16,14, tout qui va. De toute façon. Pff. Ouais, allez, on lui donne. L'Ottoman se tape des rebelles. Hop, là, on a bientôt fini le siège de Théodoro. Enfin, de la Crimée. Ah, la Norvège, il arrive avec sa flotte. Ouais, j'arrive avec des bateaux. J'aimerais bien faire, voyons qu'on réfléchisse. Si je mets un fort là, ah ouais, je bloque pas mal de régions. Mais bon, c'est. Je mets un fort là, je bloque tout ça. Comment ça coûte un fort? 200. Ouais, j'en mets un là, qui me bloque toute cette zone jusque là. J'en mets un là. Ryazan, je le dégage. Nizhny Novgorod,
je le dégage. Kazan, je le dégage. Lui, Berezov, je le garde. Donc j'ai dit, j'en mettais un Aoka, c'est ça je crois, Aoka. Jusqu'ici. Et je vais remettre un Arcef. Les patines. Bon, on va laisser. Voilà, on va s'arrêter là, les gens. Moi, je vous dis donc bye bye et à demain pour la suite de la série. Donc, préparation de guerre, on va mettre sur la gueule de la Lituanie et voilà, voilou. Allez, ciao tout le monde!